tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo présentation de plusieurs petits jeux, donc ça sera 4 jeux pour les bébés, les nourrissons, enfin les enfants allant de 9 à 12 mois, 18 mois je dirais, à peu près. Avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir, vos commentaires, vos petits likes, moi ça me motive toujours à en faire toujours plus pour vous. Donc voilà, après pour mes 1300 abonnés, je compte faire une FAQ et je pense que pour les 1500 abonnés, je ferai un petit concours. Donc, pour le premier jeu, alors vous pouvez prendre un morceau de carton, prendre des rouleaux papier toilette et les découper en rond. Et vous allez les couper, en fait je vous mets des petites images. Là vous pouvez en fait créer un petit labyrinthe avec des balles en mousse. Bon moi vous verrez, j'ai mis une bille. Mais avec les balles en mousse, c'est beaucoup mieux pour les plus petits parce que moi, voilà, il n'y a pas de danger s'ils viennent à le mettre dans la bouche. Et ça, c'est un jeu en fait qui va bien les amuser. Ils vont entendre le bruit, ils vont adorer et ça va aussi travailler leur motricité fine. Pour le deuxième jeu, donc je vous conseille aussi de prendre un sac de congélation. Vous mettez dedans de la pâte à modeler. Et vous amusez à coller par exemple le sac sur le mur et vous verrez que votre enfant va s'amuser à mettre sa main dessus, ça va faire les empreintes sur la pâte à modeler. Et je pense que c'est un petit jeu qui peut vraiment être très appréciable par les tout petits. Donc c'est un petit jeu aussi que je vous recommande. Ça va aussi leur permettre de découvrir les sensations, enfin les sens, le sens du toucher. Il va voir qu'en fait le sac il est un petit peu frais, que la pâte à modeler est un petit peu chaude. Enfin, il va sentir en fait la matière du collé contre le plastique. Et ça, c'est vraiment sympa pour éveiller les sens en fait de votre enfant. Pour le troisième jeu, donc vous pouvez prendre un tupperware ou même une boîte en carton, en fait une petite boîte, même une boîte à chaussures. Si vous avez des élastiques, alors là c'est le top. Vous mettez plein d'élastiques sur le carton et vous laissez votre bébé avec ça dans ses mains et il va s'amuser à toucher les cordons. Il va voir que ça fait un peu de la musique, ça fait des sons. Et ça, c'est un jeu qui peut être sympa pour les 12, 14 mois. Enfin, moi, je trouve ça vraiment top parce qu'il entend et ça lui fait un peu découvrir les sons, tout simplement la musique. Pour le quatrième et dernier jeu, donc vous pouvez prendre du scotch. Vous allez scotcher une partie de votre maison, ça peut être même entre une porte. Mettre beaucoup de scotch, du scotch fin ou du gros scotch tout simplement. Et vous allez prendre des ballons de baudruche que vous allez gonfler, vous allez les poser sur le scotch. Et avec une balle en mousse, et bien votre bébé va s'amuser à lancer. Bon, il va s'amuser déjà, ça sera à vous de commencer le jeu, d'essayer de lancer pour faire tomber les ballons de baudruche avec la balle en mousse. Votre bébé, il va vous voir faire ça, il va vouloir vous imiter. Et je pense que c'est un jeu qui va être super, hein. Ça va être des fous rires garantis avec ce jeu. J'espère que ces petits jeux vous ont plu. Donc avant de terminer, je voulais aussi vous demander, vous allez me dire que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, mais en même temps, enfin, j'aime bien aussi avoir votre avis, quoi. Donc mettez-moi en commentaire si vous voulez voir sur ma chaîne en fait des vidéos avec des jeux spécialisés pour les anniversaires. Par exemple, si vous avez un thème, je sais pas moi, ça peut être la petite sirène, la reine des neiges ou même un thème pirate. Et j'essaierai de vous trouver des petits jeux en fonction de votre thème. Moi, ça me plairait bien, j'aime bien, j'adore faire ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez voir ça. Vidéo terminée. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager aux mamans pour leur donner des petites idées quoi, pour les jeux. Et de vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.